Shalom Alechem, on est dans Siman Kouf, Samechet, Alez et Pat Mevarim, sur quelle sorte de pain on est Mevarech Amotsi Lechem in Haaretz. Il dit le Rav dans la Halakha Yud Alef, Koldin Ze Shel Akovea Seudato Al Uga, Mevarech Amotsi ou Birkat Amazon, ou Davka Shea Uga Nefet Betanou. Aval, Isa Shebishla Otigna, Ena Nikret Lechem. Veaf Im Kovea Seudato Alehem, tout le din qu'on dit okay, sur apat apab kisnim c'est quand on est mevarer amosi lehaminaretz netilat yadayim et après birkat amazon si tu as mangé 216 grammes il dit le rab davka akovea c'est un homme qui fixe sa seuda sur un gâteau okay. S'il mange du pain 30 grammes il fait birkat Amazon. Non, pour faire un tiyat zedaim avec bracha, il faut tout le temps faire un tiyat zedaim. Mais est-ce que la question, elle est, est-ce qu'il faut faire bracha ou non? C'est d'après s'il va manger 56 grammes. Qu'avait ça? S'il ne va pas manger 56 grammes, il va, pas faire, il va faire le tiyat zedaim, mais sans bracha. Maintenant, pour le gâteau, et il fait après mevarech hamotzi ou birkat Amazon, et il fait la bracha de hamotzi et birkat Amazon, c'est d'avka si maintenant, seulement si le gâteau, il est dans le four, il est cuit dans le four. Mais par contre, si tu prends une pâte que tu as cuit ou tu as frit. Cuit, c'est quoi? C'est sur la poêle? Par exemple. Et frit aussi. Non, non, non. Et cuit, c'est, dans, c'est par exemple. Comment c'est ça? Oui, par exemple, sur dans une marmite. On verra maintenant. Il y a une. Bichla, ça veut dire les vachelles, ça veut dire comme tu prends de la pâte. Les pâtes, les pâtes. Ah. Les pâtes. Qu'est-ce que tu fais sur les pâtes? Mais un autre, qu'est-ce que tu fais bracha achrona? Toujours à la mairie. À la mairie, même si tu vas manger maintenant. Les pâtes. Les pâtes. Le pasta. Le pasta aussi, un bon fachot. Boker Tov, Mazal Tov, Yosef, Baruch Hashem, tu es venu aujourd'hui pour entendre cette halakha. Sur le riz, on fait bourrin fachot. Mais sur les pâtes, quand tu as mangé, même tu manges un kilo de pâtes, okay. Tu dois faire bon, en premier boré mezonot et après à la mihia vers la kakala. Et pas bien qu'à Amazon. Ou par exemple, si tu as fait, fait frire. Par exemple, tu prends frire, il faut savoir qu'est-ce que veut dire frire. Okay, ici, Shmuel, Rouvet, des pancakes par exemple. Il y en a qui font, mais ils croient que c'est des pancakes. Ils prennent de la pâte, okay, et ils les mettent sur la poêle. Ils mettent un tout petit peu de l'huile. Comme des crêpes. Comme des crêpes, mais c'est pas liquide. On parle que c'est une pâte pas liquide, une pâte. Et il met sur la poêle. Pancake, c'est liquide. Mais je dis, quand par exemple, mais pas liquide, la pâte, elle est pas liquide. Okay. Et il met un tout petit peu de l'huile pour pas que ça colle. Même, il faut faire amotsi et birkat Amazon. Mais c'est mezonot. Non, c'est pas mezonot, c'est amotsi. Mais si c'est pas dans si le four. C'est liquide, si c'est liquide, c'est. Oh, même que c'est pas. Il faut dire, il nous dit le rave. C'est pas tigna. C'est pas dans le four. On parle maintenant. Pizza c'est nika, va t'acheter une tikva. Arabe, on va dire il fait, il fait une pizza sur la poêle. A pancake, azu paron mi kazaït, shou kazaït. Il était d'avoir chez paron mi shou kazaït. Non mais il a pas dit que le pancake il est aussi. Rouven, ça pose des questions. Maintenant tu vas recevoir des réponses. Des affirmations. Maintenant tu vas essayer de comprendre. Il fait une pizza sur la poêle. Écoutez, le rab lui il a dit comme ça. Regardez, je répète les mots du rab. Il a dit tout ce qu'on a dit qu'on peut être kovea, ken seuda. On parle de mezonot qui a une des trois conditions, que la pâte par exemple ici, elle est très douce. Alors, il nous dit le rab, si tu cuis à kavana comme des pâtes ici, d'accord? On va dire que c'est des pâtes. Des pâtes, même que tu cuis, tu vas manger un kilo, c'est boré mine mezonot et à la fin c'est à la mihia. Maintenant, si tu fais frire, on parle frire ici, je répète, voilà le sphinge, les souganiotes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de l'huile. Beaucoup de l'huile, même si tu manges un kilo de sphinge, tu fais
à la mihya à la fin. Tu ne fais pas birkat hamazon, même quand tu manges un kilo. Moi, croutonime. Attends, doucement. Oui. 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 Maintenant, il dit le rap. Je peux continuer le rap, tu verras que tu n'as plus de questions. Okay. D'accord. Il faut se doucement, doucement, entendre tout. Et après, tu verras. S'il y a des questions, à la fin de l'alakha. Ah, il nous dit le rap. Otigna, c'est la frit. Ici, on parle de frire avec beaucoup de l'huile. Mais si maintenant. Il fait frire avec un tout petit peu de l'huile, okay, pour pas que ça colle, comme par exemple des malawar. Qu'est-ce que c'est de malawar? C'est des belles, la pâte feuilletée, une pâte feuilletée. Voilà. Puisqu'ils mettent un tout petit peu de l'huile, il y en a qui mettent même pas de l'huile. Ils mettent comme ça et c'est maison note. Mais ils mettent pas dans le tanour. Non, si, on parle maintenant, il met sur la marvade, sur la poêle. Mais s'il ne met pas dans le tanon, ça ne peut pas être. Il l'a dit au début. Il a dit. Non, et c'est ça, maintenant, je te fais maintenant. Le rabbi te dit comme ça, regarde. Aval Issa, si c'est une pâte, chez Bishla, tu l'as cuit ou tu l'as fait frire. Et moi, je te dis maintenant ici, quand il fait frire, on c'est parle beaucoup de l'huile. Ok. C'est bizarre qu'il n'est pas Mechalek. Le rabbi n'est pas Mechalek, mais la Mechalek, comme ça, tu verras plus loin. S'il a besoin de dire qu'il faut chez Menamo, qu'il dit chez Menamo. Il ne dit pas Dora. Mais tu verras qu'elle aura plus loin, elle va te dire. Mais moi, je te dis, entre parenthèses, pour cela que c'est très important d'étudier qu'elle n'est pas seule. Il nous dit le rab, puisque maintenant, comme le lahor, ça veut dire le lahor? C'est la telamanim. C'est la telamanim, exactement. Le lahor, il te le met, il y a beaucoup de trous. Ça, il y a la même mosquée qui dit que tu fais, tchekovea, seouda, alze, tu fais abokat amotsi. Il y en a qui disent que c'est la bia, non, c'est autre chose. Alors je répète, si maintenant c'est de la pâte, si tu la cuis à Kavana, tu mets dans l'eau, et avec, tu fais une tafchit, des pâtes, ou tu, par exemple, tu fais frire, c'est quoi? Tu fais des sphinges, tu fais des souganiotes. Mais si tu fais avec un tout petit peu de l'huile pour pas que ça colle, ça, tu peux être cové à Seouda là. Si tu vas manger maintenant de ce gâteau-là, 216 grammes, tu fais Netilat Yadayim, Motsi et Birkat Hamazon. Et alors maintenant, dans ce cas-là qu'il a dit le Rav, qu'il voulait le sphinx par exemple, Ena Nikret Lechem, ça ne s'appelle pas du pain. Ce qu'il faut savoir, pour faire Birkat Hamazon, il faut qu'aussi, il y a une apparence de pain. Même si maintenant tu fixes ton repas, ça veut dire que tu vas manger 216 grammes, tu fais Birkat Hamazon et à la fin, tu vas faire à la Myriam, même si tu vas manger un demi-kilo. Mais la reine, c'est pour cela, Zlabia. Zlabia des Témanim, c'est des petites feuilles comme des cheveux. Ils mettent beaucoup de l'huile, ils mettent aussi beaucoup de miel. Ça, on fait borer mes maisonnotes et à la fin, on met. Ah, c'est un gâteau. Oui, c'est un gâteau. Avec aussi. Des fils là très fins. Voilà, ça s'appelle Zlabia. Ça, c'est borer mes maisonnotes et à la fin, même si tu vas manger un tonne, tu fais à la mihya. Pas bien qu'à Amazon. Af im kovea seouda, toi, même si maintenant tu es kovea une seouda. Même si tu prends maintenant, il nous dit le rabbi soufganiot. Que c'est un peu liquide, la pâte elle est un peu liquide. Souganiot. Souganiot, c'est de la tambraka, il te dit Laura. Mais souganiot, c'est quoi ça ressemble? Des beignets. Des beignets. Ah, je ne savais pas, comment il te souvient. Il faut savoir, les souganiot, il y a beaucoup de sortes de souganiot, c'est de souganiot, il parle là, c'est comme les sphinx, d'accord? Parce que de la tambraka, en général, les souganiot d'aujourd'hui, ils ne sont pas de la tambraka. Ah non. Les souganiot aujourd'hui, ils sont. De la tambraka, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est de la tambraka? De la tambraka, ça veut dire que c'est du liquide. La pâte, c'est du liquide. Tu verses comme ça. Comme on a dit, les crêpes. Avant les taganotam. Voilà. En fait, c'est des pancakes. C'est ça, les pancakes. Mais non, ça, ici, c'est les sphinges. Quand il dit le rab, c'est les sphinges. Soufganiot, c'est liquide. C'est comme un peu les pancakes. Les soufganiot, ils ne sont pas liquides. Va voir dans le marchand. C'est raka. Raka, c'est molle. C'est mou. Que tu le veux ou pas, c'est mou. C'est pas liquide. Raka. Tu verras, aujourd'hui les souganiot, va voir comment ils les font. Ils font des boules. Ils font des boules. Mais c'est mou. Non, c'est pas dur. Ça s'appelle paraka. Mais tout est mou. Gamla khala, c'est mou. C'est mou. Quand on met le khala liquide, quand on parle de dame l'ilata raka, ça veut dire que c'est liquide. Comme la pâte à pain, elle est molle.
Oui, mais c'est pas liquide, c'est là ça la différence entre liquide ou entre. Pourquoi ils n'utilisent pas les mots liquide? Si vous dites liquide, il y a un mot pour dire. C'est ça qu'il dit. Tu parles raka. Beloula bechemen. Quand tu dis dans la tfila, qu'est-ce que c'est? Beloula bechemen. Elle est mélangée avec de l'huile. Oui. D'accord. Ici c'est mélangé, mais souple. Kavana raka. Et là c'est du liquide. Alors maintenant quand c'est blila kasha, quand c'est blila kasha, ça veut dire un mélange de pâtes. Kasha, c'est les durs. D'accord. Alors, et ça, c'est quoi? C'est des pains, par exemple, du pain. Quand tu fais du pain, tu mets dans le four, c'est caché. On finit avec la halakha. On finit cette halakha là, après la halakha. Il nous dit le Rav, même si tu prends des soupes gagnottes et tu es cové à Seouda, 216 grammes, 400 grammes, 500 grammes, tu fais boré, miné, maisonnot, et à la fin, la miria. אפילו אם קבע סעודתו עליהם אינו מברך המוציא וברכת המזון אלא בורא מן המזון ועל המחיה. C'est là comme on a dit, il faut faire בורא מן המזון ועל המחיה. Entre parenthèses, je vous dire. Vous allez voir aussi dans Chazon Ovadia. Vous allez voir que le Rav Ovadia, il dit sur ça, qu'il y a sur les soupes gagnottes, qu'il y a une DA, il y a une avis qui veut dire qu'il faut faire attention à Yéré Shamaim, un homme que lui, qu'il fait, il veut, il est pointu dans les halakhot en général, il fait très attention. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas dans le problème de Birkat Amazon de manger 216 grammes parce qu'il y a un poste. Dans les beignets? Dans les beignets, il y en a qui veulent dire. Il y en a qui veulent dire. La halakha, elle n'est pas comme ça, je répète. La halakha, elle n'est pas comme ça, même si tu manges. Alors pourquoi vous dites les médailles Tekim? J'ai dit, mais il y en a qui vont voir. Ils vont voir une odéa dans le Chazon Ovadia de faire attention de ne pas manger des beignets. Plus que 216 grammes, ça, c'est pas la vie du Rav Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef Shalita. La vie, elle est de manger, même si tu manges plus que 216 grammes, tu ne fais rien qu'à la Mihya, et c'est tout. C'est ça la halakha. Oui, c'est ça. Lechem et Tougan. Lechem et Tougan. Car pour ça, regarde, je sais pas, je rouvre. Car pour ça, in betza ve sukar, betagen et ze. Ça dépend. Si maintenant, c'est moins que kazait, et il n'y a plus de tsurat alechem, il n'y a plus une apparence de pain, ça c'est boré mine mezonot et à la mechia. Si c'est plus que kazait, et ben c'est plus que déjà c'était le pain, c'était déjà du pain. Et même que Jamy, tu l'as fait frire, ça reste pain. Tu fais un motif. Si c'est moins que kazait, il a perdu l'apparence d'un pain, ça s'appelle boréminé mesonote et à la myria à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des croutons. Les croutons, qu'est-ce que c'est les croutons? Ils coupent la tartine. Quand par exemple il y a des baguettes, ils ne veulent pas maintenant. La halat shabbat qui reste. Il faut faire attention et très attention à cela. La halat shabbat qu'elle était sur la table, okay, ça c'est Becheskat. Si tu as mangé du. S'il y a une taille de la viande, s'il a enlevé. Non. Il faut savoir, d'après Marc. S'il a enlevé de la table quand il y avait la viande, il n'y a pas 13 de Massari. Si le bonhomme, il fait attention, en général, il prend le pain, et c'est lui qui coupe le pain, et qui le met à côté de lui, les chalotes qui restent. Okay. Alors, il y a ce papa qui l'a fait attention, au moment qu'il a fait attention, il n'y a aucun problème. Si tu as pris la chala, tu l'as mise sur la table, et tu as enlevé l'attention de cette chala, ça veut dire tout le monde, ils ont mis les mains là-bas. Cette chala, elle est becheskat besari. Si tu manges la viande, dans le repas. Il y en a qui mangent le hamin sans viande. Je parle sans viande. Mais là, le pain, quand ils le mangent, il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils mangent hamin pour avoir le minhag de manger le hamin. Mais ils ne mangent pas de viande. Ils mangent avec du riz, ils mangent le hamin avec des œufs et des patates. Et après midi, la souda shlichit, ils font avec de la viande. Comme ça, il y en a qui font. Non, le matin, ils mangent le matin. Le matin à 10h. Il y en a à 10h. Par exemple, en Israël, comme maintenant il prie tôt en Israël, il prie 7h30 ou 8h15. En Israël, c'est tôt, c'est très tard pour eux, c'est très tôt pour eux. Et ils terminent déjà 10h la tfila. Alors, 10h la tfila, il y en a qui disent moi, je veux prendre mon café au lait. D'accord? C'est difficile pour eux de manger de la viande. Alors, il y en a qui, ce qu'ils font, ils mangent une défina, mais défina parvé. D'accord? Rien que pour avoir la coutume de manger. Parce qu'il y a un kolbo qui veut dire qu'une maison qui enche bohamin,
J'ai hachash la picores. Alors maintenant, il dit le colbo comme ça. Okay. Alors maintenant, le Rav Yor Letzion, il a répondu, il a dit, si tu as du hamid, ça veut dire que tu as ta bouilloire, elle est allumée pendant tout le Shabbat, il y a encore un problème, ça s'appelle hamid. Vous avez compris? Même ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il a sa bouilloire tout le temps allumée, Shabbat, il prend de l'eau chaude, ça s'appelle hamid. Et pas forcément, c'est que quand maintenant, lui, c'est difficile de manger le hamid. Parce que, comme il a dit le Rav Lasser une fois, un homme qui mange hamid, hayamita. Il va tout de suite dormir. Après qu'il mange la défina, quelle est l'autre, alors il y en a qui veulent étudier. Alors ils disent, Kvodara, on peut manger même du poulet ou un morceau de viande. Est-ce que c'est obligé de manger du hamid? Non, c'est pas obligé. Tu as de l'eau chaude. Tu peux faire ton plat de viande comme tu veux, etc. Akovea seudato al patam avec isnin uga. Je tsarir levarer hamotsi. Ou bien qu'à Amazon, mais ça va bien à Hilato. Nislapek, achar, à Hilato, imbirer, bien qu'à Amazon, ou l'or, José, on va rire, misafek. Houtz, mi bracha, revi'it, la'ad, akel, avinu. On répète la halakha. Un homme que lui qui fixe sa seouda avec du pataba avec isnin, ça veut dire des gâteaux. Des gâteaux, on parle quel gâteau? Ken Rouven, quel gâteau? Il faut savoir que le gâteau que vous faites, il faut qu'il ait, il faut qu'il y ait de la farine dans ce gâteau, un sixième de farine par rapport à tous les ingrédients qu'il y a dedans. Moins que ça, c'est pas du gâteau. C'est du gâteau, tu fais bourrer mes maisonnotes, mais ça, tu ne peux pas être couvert assez au gâteau à là, parce qu'il y a plus, par exemple, quelqu'un il met plus d'œufs. D'accord? Mais ce farine-là, il a mis dans ce gâteau qui a moins d'un sixième des autres ingrédients. Oui. Elle est là en compte pour coller le gâteau, pour faire par exemple, le gâteau. Par exemple, si elle est là que pour coller, c'est chez Acol, c'est pas maison. Non, quand même, puisque maintenant. Dans les mots, Rav. Hein? Dans les mots, c'est pas écrit. C'est moi, je dis. Je vais parler avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'est un autre à la fin. Je vois pour montrer. Il faut savoir, la halakha, elle dit comme ça. Puisque maintenant, la pâte. Parce que lui, il m'a dit chez Acol, vous me dites maison. Je vais t'expliquer après. Ici, c'est pas écrit dans les mots. C'est pas écrit. Il m'a dit, s'il y a moins de sixième, comme vous dites, c'est chakol. S'il y a moins qu'un sixième, eh ben, c'est bourré mes maisonnotes parce que la pâte, le kémar. De toute façon, on peut faire les deux. Le kémar, il est hachouf d'Afka Bifnasmo. Il est hachouf. Puisqu'il est hachouf, alors on fait. On peut faire les deux. La tête taam. Il m'a ta marché, votre obligé. Chez Tentam, à Zemezonot. Avalimouz, Rakpo, Bijulad, Bik, et Kola, Matkon, à Zé. Non, on fait Borem et Mezonot. Mais grave, on peut faire les deux. Même s'il n'y a pas la Tentam. Mais on peut faire les deux, de toute façon, je comprends pas. On fait Borem et Mezonot. On fait Borem et Mezonot. Et à la fin, à la Myriam. Maintenant, tu ne peux pas être Kobe à Soudatra. Si maintenant tu as mangé 213 grammes de ce gâteau-là, qu'il y a moins que 1/16, okay, alors là. Un sixième. Alors là, ça ne fait pas couver à Souda, même que tu manges 216 grammes, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire mes crêtes Amazon. Alors maintenant, là, pas un problème même de faire maisonnote sur quelque chose qui n'est pas maisonnote. Non, le problème, il est que ce n'est pas la bracha qu'il faut. Si maintenant c'est là-bas, il faut faire le plus possible. Il faut savoir. Il y a un Mishnah Boura Mefourash. Okay, il dit comme ça, si tu es dans un doute, toi, quelle est la bracha, tu n'as pas le droit de manger. D'accord? Par exemple, toi, tu as un doute. Ce n'est pas qu'il y a un doute dans la bracha. Là, il y a un doute dans la bracha. Oh, il y a un doute dans la bracha. Je peux faire mes alors, c'est machin. C'est bien de faire. Alors, c'est bien c'est mieux de faire. Ça dépend. Tout est mazon. Ça dépend. Okay. Tout, c'est ça. Tout est mazon. Tous les mazon, c'est un mazon. Tu t'en quittes. Alors, on continue. Il aura maintenant à crever à Soudatoua le patababi kisni. Un homme qui mange maintenant de gâteau 216 grammes. Que lui qui doit faire maintenant la bracha. Je tsarir levarer amotsi, il faut qu'il fasse amotsi et bien kat amazon. Maintenant, il s'est rassasié. Grave, donc il fait un netilat yadayim. Oui, oui. Il est obligé. Tout le temps, il fait netilat yadayim. Non, mais il fait la bracha. C'est pas écrit ici. S'il fait amotsi, il fait netilat yadayim. Obligé de faire netilat yadayim. Non, mais il fait la bracha netilat yadayim s'il fait la bracha amotsi. Non? Non, d'après le rab ici. Tu regardes comment il parle. Il fait netilat yadayim et bien kat amazon. Il n'est pas la bracha. D'après le Rav, lui, il tient qu'il faut pas, puisque maintenant, on est dans un safek, est-ce qu'on doit faire un netilat yadayim, oui ou non?
Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la Netilat Yadayim quand même, parce que même à partir de 162 grammes, on fait la Netilat Yadayim sans bracha. Alors il faut faire la Netilat Yadayim ici sans bracha. Mais il y en a des poskim. Ah, par exemple, si quelqu'un qui va faire, ici dans le cas suivant, il va manger du gâteau 216 grammes, par exemple des borekas, sans le contenu, il fait une Netilat Yadayim. Si par exemple il fait avec bracha, yeshlo al minismor, il a sur qui s'appuyer. D'accord? Maintenant, ici, il dit, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Vesava be'achilato. Maintenant, ici, on parle que lui, Baruch Hashem, il est rassasié. C'est une condition ici. Mais Nistapek, maintenant, il est dans un doute. C'est maintenant, il a fait la Birkat Hamazon après qu'il a fini de manger, oui ou non. Ok? Quand même, il nous dit le Rav, tu dois répéter la bracha Birkat Hamazon encore une fois, mais pas entièrement. La quatrième bracha. Ça, c'est Midérabanan. Ça, c'est Midérabanan. Puisqu'on est dans un safek, dans un doute, s'il a fait la bracha acharona, là, il n'a pas le droit de répéter la quatrième bracha. Pourquoi? C'est safek, safek. Non. Parce que ça s'appelle safek Midérabanan. Il y a deux safek. Non, il y a un safek. Le safek, il est est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon, oui ou non? Voilà, un. Maintenant. Attends, dans un safek, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est de la Torah, alors qu'est-ce qu'on fait? Safek d'Oraita, de la Torah, on est marmir. Alors on fait les Birkat Hamazon. Mais maintenant sur la quatrième bracha, ça s'appelle Safek des Rabanan. Alors mais là, Safek des Rabanan, on va les Kula. Ok. Maintenant on est dans la lacha Yud Gimel. Yud Gimel, Bechol Achila, She Adam Ochel, Eno Meverer Bracha Haona. אלא אם כן אכל כזית בכדי אכילת פרס. אבל אם אכל כזית ביותר בכדי אכילת פרס, לא מברר ברכה האחרונה כלל. ינדין הרב, dans tout manger, שאדם אוכל, que lui qui mange, il fait pas la ברכה האחרונה, seulement s'il a mangé כזית. כזית c'est 27 grammes, mais dans une condition... Birde Achilat Pras. Qu'est-ce que ça veut dire Birde Achilat Pras? Entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Ça veut dire que tu as mangé les 27 grammes entre 4 minutes et 20 et 7 minutes et demie. Ça, il faut savoir, c'est très délicat dans le repas de Shabbat. C'est très fréquent que le bonhomme lui remplisse son assiette de salade et il mange des morceaux de pain et il mange un morceau de pain et après il mange les salades. Et entre le premier ou le troisième morceau de pain, il y a un écart de... plus que 7 minutes. Parce qu'il parle, il mange, il parle. C'est pour cela que, quand on dit les mifsa arifta, qu'est-ce qu'on dit? Les mifsa arifta, kezeta ochbe'ata, teren yudin nakta, qu'est-ce que ça veut dire kezeta ochbe'ata? Pour toi, tu vas prendre kazait, et pour ta femme, tu vas lui donner ochbe'ata comme. Un betza, comme un œuf, ça veut dire deux casetotes. Okay. 54 grammes, tu vas les donner à ta femme. Alors toi, tu prends un petit morceau, que c'est kazait. Et à ta femme, tu vas les donner comme kabetza. Et c'est bon. Au moins, tu as mangé, toi. Après, tu vas donner à chacun kazait. C'est bien de donner un morceau, mais choubad, pas des petits morceaux comme ça, pour ne pas faire montrer que tu es très étroit, tu es très kamtsan, tu es très radin. Ok? C'est pour cela. Pourquoi on fait le motzi? Qui fait le motzi en général? Si par exemple il y a un invité, on lui donne, on lui passe. Si maintenant il est grand, voilà. C'est quelqu'un, c'est un rab. Qu'est-ce qu'on lui donne à faire? Le kidouche. Le kidouche. Mais le motzi, on lui donne à faire? Non. Pourquoi? Il n'a pas offert le pain. Pourquoi? C'est pas lui. Non, c'est pas lui qui achète le pain. C'est comme il a dit. La raison, elle est. Lui maintenant, il va donner un peu. Et puisque maintenant le balabait en général, lui, il est large, alors il va donner suffisamment à chacun. D'accord? Alors c'est le balabait que lui qui est botzer, qui fait la moussi de Remenaris. Il dit le Rav, si maintenant lui il a mangé, par exemple, ce pain ou ce gâteau, ou chez Akol, par exemple, son kazait, plus que 7 minutes et demie, il dit le Rav, tu fais pas bracha harona du tout. C'est les vatala, il mousse. C'est les vatala. C'est les vatala. Alors, Bobetia m'a dit, il me sakine ou il me tsobaya. Avec la main. Ah,
Il y en a qui font un sillon, mais il faut attention de ne pas couper le pain quand tu fais un sillon. Mais Allah Honag ne demande pas de faire sillon du tout. Et il y en a qui font, ils ont mis l'acte de faire un sillon. Et après de couper, il faut faire attention que le pain, il est tout le temps entier. Comme ça, dans tous les aliments, c'est bien de faire avec l'aliment qu'il est entier. Par exemple, tu veux même tu vérifies maintenant un aliment s'il y a des vers ou non. Tu prends une orange, tu prends un pamplemousse, tu prends une mandarine. Okay, la mandarine aussi, elle est entière. Tu as ouvert, tu as enlevé toute la peau. Okay, c'est bien. Quand tu fais la bracha, tu mets la mandarine entière. C'est bien, c'est conseillé. Si maintenant c'est impossible, impossible. Mais tu vois maintenant, par exemple, le cashew, les noix de cajou. Qu'est-ce que tu fais dans les noix de cajou? J'ai obligé de regarder parce qu'il y a plein de vers. Okay, quelqu'un il m'a fait montrer. Okay, une cacahuète. Dans une cacahuète, il y avait là-bas un ver vivant. Ce n'est pas une cacahuète qui était dans le four. Des fois, c'est même que les critères étaient dans le four. Après qu'il était dans le four, comme une femme qui est venue, une fois chez Laura Vaillé, il est venu, elle était hystérique. Elle dit, Kvod Harav, j'ai fait des boulettes de schnitzel, de poulet. Et mes boulettes, ils bougeaient. Ils m'ont trahi dans le magasin, dans la boucherie. Ils m'ont pris de m'en donner des schnitzels, du poulet. Ils l'ont passé à. Ils l'ont, comment on dit ça dans la. Pressor. Non. Matrena. Ils l'ont broyé. Et voici maintenant, je mets dans le four. Je sors maintenant ces boulettes-là. Ces boulettes, ils bougent. Ils m'ont trahi. Alors, il a dit, madame. C'est après que tu l'as mis dans le four ou c'est avant que tu l'as mis dans le four? Il a dit c'est après. Alors il a dit le rab, s'ils étaient dans le four, okay, c'est sûr qu'ils sont morts. Mais puisqu'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils sont venus après le four. Il faut savoir, il faut faire très attention. Par mes mots, comme par exemple les... Charbon. Non, pas péhamim. Par mes mots, ça veut dire toutes sortes de viande. Les yeux, les œufs. Zéribon. Non, aussi, même la top, toutes sortes de viande et tout cela là, quand c'est chaud, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des sortes de mouches qui viennent, ils se mettent sur les morceaux de viande ou sur les morceaux de poulet, ils s'assoient là-bas bien et ils pondent leurs œufs. 4 heures après, il y a des sortes de mouches, il y a plein des vers. Ouais. Et cette femme là maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette mémé, elle a fait des boulettes. Et ces boulettes là maintenant, elle les a laissées découvertes parce que si elle les couvre, il fait chaud, c'est pas bien. Alors elles étaient découvertes, ça s'est refroidi. La mouche elle est venue, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait? Et un moment après, elle est revenue pour donner à ses petits enfants à manger des boulettes et voit que la boulette il bouge. Ah mais vous chale. C'est quoi un boucha? Elle est venue après. Les mouches sont venues après. C'est pour cela qu'il faut que tu fermes un tout petit peu, tu laisses un tout petit peu ouvert. Il nous dit le rab, Vechel Be'achila Shel Mitzvah. Quand tu manges aussi, maintenant on revient sur la Bracha Harona. La Bracha Harona, il faut faire attention que tu manges Kazait, 27 grammes, et il faut que tu manges Birdei Achilat Peras, que c'est entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Et même quand tu vas manger maintenant la Matzah, quand tu vas manger le Maror, il faut que tu manges kazaït 27 grammes entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Par exemple, quelqu'un qui mange une matzah, il mange des petits morceaux, okay, et il n'est pas arrivé pendant les 7 minutes et demie, et ben, il n'est pas rendu quitte de matzah. Il faut être pointueux de manger le kazaït de 27 grammes, birdei achilat peras, dans le temps de entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Le shiur ze ou kesheva dakot vahetsi. Il dit c'est 7 minutes et demie. Tov l'achmir bedvarim she'em min haTorah le'echol kazait be'arba dakot. Quand c'est par exemple des quantités selon la Torah comme matzah, pour manger matzah, alors c'est bien et c'est conseillé de manger pendant 4 minutes. Si maintenant c'est quelqu'un qui est vieux, c'est difficile pour lui, alors là, pendant jusqu'à 7 minutes et demie, ça va. Et à Kova, c'est Ouda Aluga. Yeshomrim,
שדאי שיוכל כזית מהעוגה בתוך זמן של אכילת פרס. Et maintenant, un homme que lui, qu'il est kové à Seouda, ça veut dire qu'il fixe son repas, ça veut dire qu'il va manger de ce gâteau 216 grammes. Borekas, 216 grammes sans le contenu. Il y en a qui veulent dire que ça suffit, qu'il va manger 27 grammes dans le temps de 4 minutes et 7 minutes et demie. Ça veut dire que ça suffit. Ça suffit que tu manges 27 grammes. Et pas besoin que tu vas manger les 216 grammes pendant les 7 minutes et demie. Ça suffit que tu manges combien hein? 27 grammes de gâteau. Par exemple, tu prends des maisonnotes, 216 grammes, et là tu veux manger, tu veux fixer ta seouda. Tu vas faire un netilat yadayim, un motzi et birkat hamazon. D'accord? Il dit le rab, il faut au moins que le premier kazait, le 27 grammes, il faut que tu manges jusqu'à 7 minutes et demie. שהוא בין 4 ל-7 וחצי דקות, ואף שאכל את שער עוגה, même que maintenant tu vas manger le reste de 116 grammes, 12, un peu, kim'a, צריך quand même, il faut faire birkat amazon. C'est quoi kim'a? Un peu par un peu. C'est-à-dire qu'il ne va pas manger pendant 4 minutes, il ne va pas manger kazaït. Il va manger 20 minutes. Non. Les 216 grammes, il ne va pas les manger jusqu'à 7 minutes. Mais il va manger jusqu'à 7 minutes et demie 27 grammes. Tu as compris? Ouais, donc il va compléter la deuxième partie du chiot. Le 215 grammes, il va manger doucement. Même après 10 minutes. Et les 10 naïs nous dit le rab, c'est Sheochal, Kol Kazait, Beshiur, Torkede, Achilat, Peras. Selon la halakha, il faut qu'il mange les 27 grammes le temps de 4 minutes et 7 minutes et demie, Chazak ou Baruch.